Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Sabellian, un personnage très énigmatique et qui tout simplement a été, avec son grand retour à Dragonflight, eh bien j'ai énormément de personnes qui sont venues me demander un petit peu, Malga, c'est qui Sabellian? Est-ce qu'il était connu dans World of Warcraft ou est-ce que c'est un nouveau personnage? Et du coup, eh bien je me suis dit, face à tant de questions, faisons une très courte vidéo pour présenter un petit peu le personnage, puisque tout est à construire un petit peu sur Sabellian, mais il sort pas de nulle part, il vient d'une époque assez vieille, puisque Sabellian, ou Sabellian, hein, vous l'appelez comme vous voulez, est appelé également le baron Sabelmain ou Sablecrin en français. On peut aussi le surnommer parfois le baron noir, puisque son titre généralement c'est le baron, par opposition avec Irion qui est le prince. Et bien c'est un baron, en tout cas il se fait appeler le baron. Donc c'est un personnage qui, comme je l'ai dit, est de retour à Dragonflight. Et en fait, eh bien, qui est-il? Ce personnage, c'est tout simplement le fils de Deathwing. Alors bien sûr, le fils d'Eldemort, fils de Nelsarion, mais il n'est pas le seul, bien sûr, à être enfant de Nelsarion. Ce qui est sûr, c'est que lui, contrairement à Irion, Irion n'est pas le fils direct de Deathwing. C'est un descendant de Deathwing, mais il aspire justement à reprendre le contrôle du Vol Noir. Pour le coup, Sabellian est vraiment un enfant de Deathwing. Deathwing est son père. La différence, c'est juste qu'il n'est pas le fils de Cintaria, qu'on appelle également Sinestra. Donc, il n'est pas, comment dire, le fils de la consort directe, de la première consort de Deathwing. Donc, il n'est pas le premier-né de Deathwing. Il n'est pas son fils héritier, son fils... Ça reste un fils légitime, bien sûr, puisque Deathwing a eu plusieurs consorts, on le sait, hein, donc plusieurs femmes. Et au final, eh bien, il fait partie... Alors, on ne connaît pas le nom de sa mère, mais il fait partie d'une de ses, une de ses femmes. Et il y a de grandes chances, d'ailleurs, eh bien, que sa mère soit morte, notamment par Deathwing, puisqu'on sait que Deathwing a tué toutes ses consorts lors des accouplements, quand il est devenu Deathwing, quand Nelsarion est devenu Deathwing. Et la seule à s'en être sortie, c'est Cintaria, Sinestra, qui est la mère de Nefarian et Onyxia. Donc au final, eh bien, on sait que Sabellian est demi-frère d'Onyxia et de Nefarian. Donc il n'est pas le fils de Cintaria. Voilà, je préfère le rappeler. Ça, on le sait grâce au manuel de Cataclysme sur les dragons noirs. Et au final, eh bien, nous avons tout simplement donc Sabellian qui apparaît comme un peu le bras droit de Deathwing. Et là, vous allez me dire, Malga, c'est pas Nefarian qui justement est le premier fils de Deathwing, qui est vraiment l'héritier de la maison. En fait, là-dessus, on n'a pas trop d'informations, mais de ce que l'on sait un petit peu de Deathwing, si on recoupe un peu toutes les informations, donc ça reste une théorie personnelle, mais il y a de très grandes chances, on sait que Deathwing est complètement parano, et il y a de grandes chances en fait qu'il monte ses fils les uns contre les autres, et du coup, Nefarian est son premier-né, son héritier, mais... Eh bien, pour concurrencer un petit peu tout ça, pour pas que l'un de ses héritiers ne l'assassine, eh bien, il fait en sorte que ses propres dragons s'entretuent, enfin, se chamaillent un petit peu. Et du coup, eh bien, Sabellian apparaît comme l'un des confidents, vraiment, l'un des grands héritiers de Deathwing. Ça, c'est tout simplement ce qui est dit, enfin, ce que je sous-entends par rapport à différents livres. Pour revenir sur Sabellian, sa première introduction, tout simplement dans la licence Warcraft, c'est à Burning Crusade. Il a été créé à Burning Crusade. Comme vous le voyez derrière, c'est dans les tranchantes, hein, c'est un concept art des tranchantes. Et donc, il a été, c'est un PNJ qui intervient dans les tranchantes, donc les Blade Age Mountains, donc les montagnes Blade Age. Et au final, eh bien, ce personnage, il était complètement chiant. En fait, le truc, c'est que pourquoi je dis ça, à Burning Crusade, ce personnage est arrivé sans aucun contexte. En fait, il arrive à côté de toi, il fait « Salut, j'ai telle quête, telle quête, telle quête ». Et c'était un humain, donc, mais avec un dragonnet noir à côté de lui. Il était en mode « Mais qu'est-ce qu'il veut ? Je ne comprends pas ce qu'il veut, ce mec-là ». Et en fait, il t'envoie faire des missions, il t'envoie vraiment, c'est le livreur, quoi. Il t'envoie partout, enfin, tuer son livreur, plutôt. Il t'envoie un peu partout, aller récupérer des trucs, aller tuer des ogres, faire des trucs contre les ogres, etc., etc. Il t'envoie également contre le culte du ver, j'en reparlerai un petit peu. Et du coup, il était insupportable en fait. On avait l'impression d'être son esclave. C'était que des quêtes de merde et qui nous demandaient vraiment de faire énormément de voyages et tranchantes. Si vous les avez fait, c'est pas... Moi j'aime beaucoup la zone, hein, mais faut être honnête, c'est pas ultra simple pour naviguer. Hein. Donc vraiment, il est insupportable. Et le truc, c'est qu'il n'y avait vraiment aucun contexte sur lui. Ce qu'on sait, c'est justement que
avec le petit dragonnet noir, c'était pas très subtil, hein, mais on comprend que c'est un dragon noir, et petit à petit on le voit, et en fait, et bien tout simplement, il est dans la merde, puisque dans la zone des tranchantes, ce qu'on voit, c'est que les dragons noirs se font défoncer par Grull, les ogres et les ogrones, et du coup, et bien, il est par les grones aussi, bien sûr, parce que Grull est un grone, et donc, et bien, Sabellian a besoin de notre aide, et grâce à notre aide, enfin grâce à nous, et bien il va pouvoir reprendre un petit peu le contrôle des tranchantes, ce que son père Deathwing n'a pas réussi à faire. Donc ça c'est toujours très donc son apparition à Burning Crusade, en fait ce qui a vraiment fait la légende du personnage, c'est son côté mystérieux. C'est un dragon noir, donc les dragons noirs pour Burning Crusade en tant que joueur de la licence Warcraft, etc., beaucoup étaient en mode waouh, incroyable, du coup c'est un fils de Deathwing, comment ça se passe, etc. Donc il y avait, en fait le truc c'est que c'est vraiment le mystère qui a créé la légende de Sabellian. On connaissait très peu de choses sur lui en fait, mais c'est un dragon noir. Et pour une fois, on n'allait pas lui péter la gueule, puisque la plupart des, enfin Nefarian, Onyxia, on les a flingués à Vanilla. Lui, il semblait un peu plus, ça, en fait ça ressemblait beaucoup à Daval Prestor, hein, Deathwing sous sa forme humaine, qui était un peu plus subtil. Et d'ailleurs, en parlant du loup, hein, Daval Prestor, donc Deathwing sous sa forme humaine, eh bien, Sabellian va être réintroduit dans l'histoire de Deathwing avec les livres qui vont sortir pendant Burning Crusade, les livres qui reviennent sur les événements de Warcraft 2. Sabellian, du coup, y est réintroduit. Donc, première apparition Burning Crusade, mais on le réintroduit dans l'histoire à Warcraft 2. Avec, du coup, justement, on le dépeint vraiment comme un des fidèles lieutenants de Daval Prestor, qui écoute les ordres de son popo, hein, il écoute les ordres de Deathwing, et c'est d'ailleurs lui qui va rejoindre, donc il va même faire partie de la horde au final, hein, de la horde de Ner'zhul, et il va aider Fenris et les différents orques, différents chefs de clan orques, Grom, etc., pour qu'il récupère les artefacts dont Ner'zhul a besoin. Et donc il va aider la horde à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il a aidé la horde, et eh bien, puisque c'est une entente entre Deathwing et Ner'zhul, ils s'aident mutuellement, même si bien sûr Deathwing a des arrière-pensées, il veut se servir de la horde pour fragiliser l'alliance, et l'alliance du coup fragilisera la horde également. Mais lui, grâce à ça, et eh bien il va pouvoir tout simplement, il va servir un peu de taxi avec ses dragons, aider un petit peu dans les affrontements avec l'alliance, mais surtout, et eh bien il va pouvoir rebâtir le vol noir en Draenor. C'est ça le projet de Deathwing. Le problème, c'est que tout ne va pas se passer comme prévu. Ner'zhul va démolir la planète, ce qui va la transformer en Outre-Terre. Et le problème, eh bien, Deathwing, lui, va quitter Draenor, ce qui n'est pas le cas de Sabellian et une partie du vol noir qui se retrouve coincée sur Draenor, qu'on appelle maintenant l'Outre-Terre. Et donc, eh bien, les dragons noirs vont être pas mal inquiétés. Gronn a réussi à battre Deathwing aidé de certains héros de l'Alliance. Sauf que Sabellian, lui, donc Deathwing repart par le portail et retourne sur Azeroth. Pour le coup, Sabellian, lui, est coincé. Et au final, eh bien, il va faire en sorte que son vol puisse survivre. Même si bah, la plupart vont mourir. Et donc, eh bien, il ne reste qu'une poignée en fait de dragons noirs dans les tranchantes. Et ils vont essayer de bâtir des meilleurs lendemains pour le vol noir, même si c'est assez technique. Il reste fidèle à Deathwing, et ça, ça fait partie de ses traits de caractère, et on va en reparler, c'est assez intéressant. Donc, comme je l'ai dit, au final, avec la mort de Nefarian, bah, Sabellian fait partie des dragons les plus vieux du vol noir, et donc voilà comment on le retrouve à Burning Crusade, il est comme ça. Ce qui est intéressant par contre aussi à Burning Crusade, c'est que il y a parmi ces ONG du mal, hein, avec le culte des ombres, il y a plein de noms à la con d'ONG du mal, avec des gnomes, des gobelins, tout ça qui rejoignent voilà, ces organisations du mal. Eh bien, il y en a une dans les tranchantes qui est importante, c'est le culte du ver. Le culte du ver, en anglais, ça, c'est un peu plus transparent. J'aime bien beaucoup la trad française pour le coup ici, puisque c'est le Wyrm Cult, donc le culte du Wyrm, le culte du ver en français, tout simplement, qui est le culte, ça aurait pu s'appeler le culte du Wyrm d'ailleurs en français, mais ils l'ont pas fait. Et donc, le ver, c'est tout simplement le Wyrm, et donc c'est le dragon en fait. Donc, il y a un lien un peu étrange, parce que c'est une organisation qui veut pas des bonnes choses, mais qui a un gros lien avec les dragonnets noirs, et qui enlève des dragonnets noirs, qui essaye d'en faire de nouveau, etc. Et on se rend compte que c'est des humains, enfin des mortels, qui se transforment en draconides noirs pour essayer de gagner du pouvoir, etc. Et au final, Sabellian, il y a un lien très bizarre, parce que d'un autre côté, il révère aussi les dragons, le culte du ver, les dragons noirs, mais au final, Sabellian enquête sur eux et va agir aussi contre eux. Donc on sait pas trop quel est le lien, est-ce que c'est des mecs qui étaient au départ fidèles à Sabellian, etc. Bon, on est sur du contexte Burning Crusade, donc il y a plus de questions que de réponses, bien entendu, mais voilà, Sabellian, il est pas tout, j'allais dire pas tout noir,
pas tout blanc, hein, pardonnez-moi l'expression, à Burning Crusade. On sait pas trop ce qu'il en retourne. Par contre, quelque chose de très important, eh bien, il perdait la guerre dans les tranchantes, ça je l'ai dit, mais surtout, en fait, comme tout le vol noir, ça c'est une information qui est très importante à garder à l'esprit, comme tout le vol noir, Sabellian est corrompu, en fait, par les dieux très anciens. Tout le vol noir a été corrompu. Lorsque Nelsarion est devenu, donc Neltharion est devenu Eldemort, quand Nelsarion est devenu Deathwing, eh bien, il a condamné, en fait, l'entièreté du vol noir à la corruption des dieux très anciens. Donc, tous les dragons, même les nouveaux-nés, etc., sont entachés par cette corruption. Et un jour ou l'autre, ils peuvent péter un plomb, en fait. Et Sabellian ne fait pas exception à cette règle, ainsi que sa cour, hein, ce que j'appelle sa cour, c'est les dragons qui lui restent fidèles et qui l'accompagnent et qui sont restés en Outre-Terre. Eh bien, ils sont tout simplement susceptibles d'être corrompus à tout moment par les dieux très anciens et donc de vriller complètement. Le truc, c'est que il va donc forcément, quand Draenor devient l'Outre-Terre, la porte des ténèbres explose, enfin, n'explose pas, mais elle est fermée. Enfin, si, elle explose en fait, hein, elle est fermée. Et du coup, eh bien, les Sabellian et les autres et sa cour, eh bien, vont tout simplement rester coincés en Outre-Terre. Et globalement, ça dure à peu près une trentaine d'années. Hein, ils restent coincés une trentaine d'années en Outre-Terre. Donc, ils sont arrivés à Warcraft 2 et eh bien, ils sont restés jusqu'à Dragonflight en Outre-Terre, donc à peu près une trentaine d'années bloqués en Outre-Terre. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Burning Crusade arrive, Sabellian et les autres auraient pu partir par la porte. Bon, on va pas se mentir, c'est aussi un manque complet de travail à Burning Crusade, mais au final, ils choisissent de rester. Maintenant, ça c'est un fait, hein, ils ne reviennent pas à Cataclysme, ils ne reviennent pas dans les autres extensions. Donc au final, eh bien, Sabellian, en gagnant les tranchantes, visiblement, est resté là-bas pour offrir un avenir au vol noir. Donc le vol noir a toujours été quelque chose qui lui tenait à cœur, l'avenir du vol noir a toujours été quelque chose qui lui tient à cœur. Et Sabellian, qu'on retrouve à Dragonflight, pourquoi on le retrouve à Dragonflight? Eh bien, comme tous les dragons, je vous laisse aller voir la nouvelle sur Irion que j'ai sortie il n'y a pas longtemps, eh bien, tous les dragons ont entendu l'appel des îles aux dragons. C'est quelque chose qui est imbriqué dans leur ADN, dans leur être, hein, et puis c'est un appel aussi un petit peu magique. Eh bien, Sabellian a entendu cet appel comme les autres dragons noirs de Draenor et donc eh bien ils ont traversé la porte, ce qui nous indique d'ailleurs qu'elle est toujours ouverte, hein, ce qui devrait amener beaucoup de problèmes, hein, vidéo sur la porte des ténèbres qui n'a pas beaucoup été regardée, mais n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est quand même assez important. Et du coup, avec sa cour, eh bien il regagne les îles aux dragons, le rivage de l'éveil, afin de récupérer le contrôle tout simplement de la citadelle d'Obsidienne, la citadelle des Noirs, hein, globalement la citadelle des Dragons Noirs, afin que justement Sabellian, en tant qu'héritier de Deathwing, en tant que dernier héritier vraiment vivant de Deathwing, eh bien, et ancien lieutenant de Deathwing, eh bien, il puisse devenir tout simplement l'aspect du vol noir, qui devienne le chef du vol noir. Ce que j'aime bien avec Sabellian, c'est que on part d'un personnage qui à Burning Crusade était inintéressant. Enfin, il était intéressant par le mystère qu'il y avait autour de lui, mais en lui-même, il était inintéressant. Et on ne l'a jamais réutilisé, mais aujourd'hui, Dragonflight le réintroduit, donc c'est un nom qui est connu d'une partie des joueurs, pour en faire quelque chose de très intéressant. Ça me rappelle beaucoup Kalia Menethil, c'est un perso où on se dit, mais sort de nulle part, alors qu'en fait, c'est un personnage qui est là, dans la licence Warcraft depuis très longtemps, qui a été mis de côté et qui revient. Et quand il revient, il apporte quelque chose de très intéressant. Sa personnalité est très intéressante. Sa dualité vis-à-vis d'Irion aussi, son opposition vis-à-vis d'Irion. Irion qui représente la jeunesse, la fougue, qui représente aussi le seul dragon noir non corrompu du vol noir face à un Sabellian qui est beaucoup plus dans la logique d'Aval Prestor, dans la logique de Deathwing, mais qui malgré tout a toujours sauvegardé son vol, etc., qui représente l'ancien, les anciennes méthodes, les quêtes autour de Sabellian, pour ceux qui connaissent pas mal le lore de Warcraft. Il y a des clins d'œil absolument superbes, notamment au jour du dragon, etc. Donc j'ai beaucoup aimé l'introduction de Sabellian, personnage très travaillé. Donc c'est vrai qu'il y a justement cette quête où il faut choisir entre Sabellian ou Irion, et les deux ont leur tort, les deux ont leur... J'ai vu beaucoup de personnes dire, ouais bah Irion, Sabellian il a suivi Deathwing, c'est un corrompu, salaud, alors que Irion lui, il protège Azeroth, etc. Je rappelle quand même qu'Irion est responsable de Warlord of Draenor et donc de Légion.
la mort de Varian, la mort de Vol'jin, tout ça, tout ça. Donc Irion a du sang sur les mains. Hein. C'est pour ça que j'avais évoqué dans la vidéo de Battle for Azeroth, dans l'analyse de la vidéo de Battle for Azeroth, quand Anduin lui met un grand point dans sa gueule, c'était totalement mérité. Hein. Il aurait pu même prendre beaucoup plus. Hein. Donc Sabellian et Irion, les deux ont du sang sur les mains. Les deux essayent de penser à l'avenir du Vol Noir. Les deux ont des méthodes et des manières de faire discutable, on va dire. Les deux sont vraiment dans une logique de la fin justifie les moyens. Sauf que Sabellian, bah voilà, il représente un petit peu la vieille garde. Il a aussi ce que je pense que Dragonflight. Alors, je ne suis qu'au début de Dragonflight. Sabellian va probablement avoir du développement dans les patchs qui arrivent sur Dragonflight et ça sera intéressant de voir où on va aller. Mais Sabellian, à l'heure actuelle, il y a un seul point noir, sans mauvais jeu de mots, sur ce qu'il représente. C'est le fait qu'il annonce qu'il a réussi à trouver un remède à la corruption du vol noir, donc des dragons noirs en Draenor. Alors, moi je dis pas non, hein, pourquoi pas, pas de soucis, mais il va falloir s'accrocher, il va falloir nous expliquer comment. Il y a deux possibilités, soit il ment, et ça reviendra justement, en fait, il avait menti et il est corrompu, soit on va nous trouver, enfin soit, bah, du coup il a pas menti et il dit vrai, mais dans ce cas... Il y a une nouvelle branche. Soit on nous expliquera comment ça s'est passé. Et honnêtement, il n'y a pas besoin de faire des trucs de fou, hein, mais juste il faut l'expliquer. Tu peux pas sortir ça sans l'expliquer. Et bah sinon, bah parfois Blizzard malheureusement ils mettent ça sous le tapis puis pff, ça passe. Donc mais ça c'est pas possible. Il faut une explication. C'est pas possible de ne pas trouver de justification. Il est corrompu. Il faut donner des éléments. En tout cas, voilà, Sabellian, très intéressant. Ce qui est juste dommage dans l'intrigue de Sabellian, c'est l'absence d'Ebyssian, hein, le corne d'ébène, qui est... On sait pas. On sait pas ce qu'il fait, on sait pas où il est. C'est dommage parce qu'il aurait pu avoir une trinité assez intéressante entre les trois. Et au final, Sabellian nous montre pas mal de choses. Alors, est-ce que il va justement devenir le chef du vol noir? Moi, je pense pas, malheureusement. Je pense que c'est Irion qui va devenir le chef du vol noir, bien plus connu, bien plus apprécié des joueurs. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir un Sabellian très travaillé, qui montre aussi que voilà, il pense au vol noir. Et surtout, j'ai l'impression que dans son développement, on essaye de montrer qu'il a suivi Deathwing parce que c'était son aspect, c'était son chef, c'était son père et c'est logique de le suivre, mais qu'il n'a pas forcément toléré, accepté tout ce qu'a fait Deathwing. En tout cas, pour le moment, c'est pas dit, mais c'est quand même vachement sous-entendu, donc on verra pour la suite du développement de Sabellian. Ça sous-entend quand même vachement qu'il a toujours, tout ce qu'il a fait, il l'a toujours fait pour la survie du vol noir. Et ça, bah, c'est pas forcément faux par rapport à ce qu'on sait de lui. C'est juste, voilà, voir un petit peu comment il est, quelle est son approche, quel est son traitement vis-à-vis de Deathwing. Ça pourrait être très intéressant à voir par la suite. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo de Sabellian vous aura plu. Personnage est quand même... Vraiment, Dragonflight fait un super travail pour développer ce personnage. Tout était à faire. Les choses étaient là à baisser, mais on n'en avait rien fait. Pour le coup, Dragonflight réutilise ce personnage avec brio, donc vraiment un très très bon point de Dragonflight. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos impressions, n'hésitez pas à me poser vos questions aussi dans les commentaires si y a des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne. Plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le Nexus. Oui, bonjour, c'est encore moi, Deathwing. Alors, ce que j'aime pas beaucoup dans cette vidéo, c'est qu'on sous-entend que je suis un mange-merde. Mes fils se chamaillent pour ma succession. J'aime pas trop beaucoup ça, hein. Disons que, voilà, il y a des circonstances atténuantes que je n'évoquerai pas ici. Voilà, bisous.